nazo betali solo. Misolo ya motema, ya moto ya loko danga, bako misanga ya sika nazalelo. Bazo sala nyoso bayeba, bazo luka bako ponto, bayeba nini nazala, kwete na koma ya sika nazalelo. Betali solo, ki solo ya motema, ya moto ya lokotanga, bako misanga isika nazalelo. Bazo sala nyoso bayeba, baoluka bako fondo, bayeba nini nazala, kwete na koma isika nazalelo. Yobo ya kiko sumangai, nabundinga imokoti, kolo eko sala mangulu. Alors pour baby c'est la ma réputation té na lokuta na yo. Comme une massue, une épée et une flèche aiguë. Ainsi est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. Olomi tuna miloyino question tuna nena la kisayo secret na ngaye. Olayo yina moninga sans raison ya kanena la kisayo secret na ngaye. Olayo kote langana kwanganga. Nanena la kisa yonza meyambie Ule yuluba kengana simba kisi Yaka nena la kisa yose kre Baluka baluka yeyo Enda matombo linga lelo Muto bafina bafina yeyo Dalanda mbabi misinga lelo Muto batia bakalo yeyo Enda mbabi misinga lelo Tolibote kwa kisa yeyo Talanda matombo linga lelo Oleyo kose langa ima kambo Usanana la kisa yonza meyanula Oleyo kende kotonga ngapatu Ya kandena la kisa yonza nanasuma Oleyo kwake langa ima lati Ya kandena la kisa yonza mbomba na mata Oleyo panza libala moninga Tunayea la kisa yonza mena hibalu Baluka yeyo, enda matombo liye lelo Malake la mabe yeyo, talanda matombo liye lelo Mafinga baina yeyo, kasinza maponi senga lelo Nalipulu ya kufa yeyo, enda mabimi singa lelo Nalipulu ya fami yeyo, talanda mabimi singa Merci Bobetti Maboko.
Dans un instant, toujours accompagné sur ce meilleur son, et la chorale Kamali nous propose l'officier de l'état civil qui va devoir célébrer ce mariage. Solennalité à Tongo Oyo Kamali Barosali Sabiso na kwantoni hymne national na célébration ya mariage ya papa na Glorisette hymne Il faut être dans la joie. C'est dans la joie parce que nous sommes enseignés pour une cérémonie de deux personnes qui se sont aimées quelque part. Pour les circonstances. Et si nous sommes enseignés, c'est par rapport à une offre qui m'a été. Je vais remercier sur les points qui vous donneront. Parce que nous devons bien entendu. Sur les témoins qui ont été sélectionnés, parce que vous avez beaucoup de connaissances. Vous les avez choisis. Vous leur avez donné une valeur, une considération. C'est là que nous les félicitons. C'est à vous aussi. Nous vous félicitons parce que justement, vous avez utilisé le système de RFFOVAN. Vous êtes capable de faire comme les autres. C'est là que je vous félicite tous. Et vous rassurez que la cérémonie d'aujourd'hui est différente de celle qui s'était passée chez vous à la maison. Parce que là, c'était juste la quête des consentements des parents. Personne ne vous a forcé de vous marier. C'est par propre amour que vous avez dit aujourd'hui, nous pouvons faire tout ce que nous pouvons faire et concrétiser notre amour. Parce que vous avez l'âge de vous marier. Il faut faire déjà 18 ans d'âge pour se marier. Et avant votre projet de mariage, je constate que vous avez l'âge du tout des yeux de vous. Cela étant, je vais vous faire des choses pour vous rassurer qu'il y a un code civil, il y en a un code civil. Moi, je vais le constater dans le quartier de temps. Je vais voir si monsieur Nadiala arrive à se rater pour de la mettre à tout. Alors, les devoirs que je dis à ça, c'est un code civil. Parce que ça peut voir tout la cérémonie de la vie. En dehors de mon appartement, je suis traversé par tous les chartes. Le tout représente ce qu'on appelle l'indemnité. C'est là que vous comprendrez l'indemnité à une cérémonie, qu'est-ce que ça représente, c'est ça la solennité. Mais le public, parce que nous avons publié au fond, pour nous attendre à une quelconque opposition. Ce qui n'a pas été caché, vous. Voilà pourquoi nous sommes en ces lieux pour la célébration de ce mariage. Quelle personne s'est opposée par rapport à ce mariage. Et c'est là que je vais une fois de plus demander au public, parce que le public est venu pour ça, d'applaudir pour ces couples parce qu'il n'y a pas eu d'opposition pour leur mariage. Ainsi, sans plus tarder,
Appel nominal des candidats mariés. Quand je vais vous appeler, vous allez vous lever. Je vais faire la lecture de certaines dispositions en rapport avec l'organisation et le fonctionnement du mariage. Je vais passer à des petits conseils par rapport au mariage. Je vais passer au consentement des époux. Et à la fin, vous viendrez à poser vos signatures dans le registre du mariage, justement pour sceller la cérémonie d'aujourd'hui. Sans plus tarder, je vais passer à l'appel nominal. Quand je vais vous appeler, vous allez vous lever. Et mademoiselle Tati Glory 7, si vous pouvez vous lever. Et comme on dit, nous avons un bon pour célébrer le mariage. Oui, oui. Vous mettez la papa, ma mère. Bon, c'est important, hein? Parce que quand il n'y a pas de dot, il n'y a pas de mariage. Ça, il faut que je lise. C'est dans l'article 361. L'article 361 nous recommande ici. Le futur époux et sa famille doivent convenir avec les parents de la future épouse. Le mariage ne peut être célébré que si la dot a été effectivement versée. Voilà pourquoi j'avais intérêt à rester. Et comme c'est fait, et que nous sommes déjà dans les articles, je vais passer à l'article 330 qui nous parle de la définition du mariage. Par lequel un homme et une femme qui ne sont engagés ni l'un ni l'autre dans les liens d'un précédent mariage enregistré, établissent entre eux une union légale et durable dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par la présente loi qui est le code de la famille. Et l'article 349 nous parle du but du mariage. Pourquoi nous nous marions? 349 s'engage à vivre ensemble jusqu'au décès de l'un d'entre eux, pour partager leur commune destinée et pour perpétuer leur espèce. Voilà pourquoi vous vous mariez. Voilà. Hein? C'est jusqu'au décès de l'un d'entre vous. Vous savez, je ne le savais pas. Je n'ai quitté. Je n'ai pas rébellé. Si vous êtes venu aujourd'hui, c'est parce que vous êtes déterminé. C'est parce que vous vous êtes sentis tous deux. Parce que je vous dis ici, c'est jusqu'au décès de l'un d'entre vous. Parce que la mort viendra bien sûr. Mais vous êtes encore jeune. Ça signifie que ce n'est pas aujourd'hui. Cela étant, nous peuplerons ensemble. Et la Bible dit, soyez féconds et multipliez-vous. Et c'est comme ça que les codes de la famille vous recommandent aussi de perpétuer votre espèce. Pour y arriver, être consommé. Je vous concède les détails sur la consommation du mariage, parce que vous êtes assez mature. Mais du moins, je vais ouvrir une parenthèse pour vous recommander une chose, que lorsque vous aurez consommé le mariage, vous aurez un bébé. Il est encore gratuit à ce stade-là. Lorsque vous dépassez 90 jours, vous serez bien sur base desquelles nous allons produire un adolescence, qui jadis était écriture. Parce que là, vous allez payer de l'argent. Ça ne sera pas moins de 100 dollars. Et pourtant, cet argent aurait servi à autre chose dans les foyers. Venez avec l'enfant avant 90 jours. Vous avez un acte de naissance gratuitement. Et l'enfant aura ce qu'on appelle une reconnaissance juridique. C'est important de le faire. Pas attendre. Parce que 90 jours, ce n'est pas beaucoup. Parfois, on est distrait et vous dépassez les 90 jours. Il faut venir à temps. Et cela étant, je ne saurais pas faire les chapelets de tout ça et nous courons des rires. Les gens vont boire, les gens vont manger. C'est bien beau. Mais sachez que aujourd'hui, se marier n'est pas une mince affaire. Aujourd'hui, se marier, c'est vraiment un casse-tête. Il y en a qui veulent se marier aujourd'hui.
C'est pas par mauvaise foi qu'ils ne le font pas. C'est parce qu'ils n'ont pas d'argent pour le faire. Mais vous qui avez fait ça, il faut toujours de l'argent chez vous. Ne manquez jamais l'argent. Il faut beaucoup d'efforts pour en avoir toujours. Parce que ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est justement pour aujourd'hui. Maintenant là, c'est pour la vie que vous garderez l'argent chez vous à la maison. C'est pour toute votre vie. Si vous le faites. Et si vous voulez bien le faire, vous le ferez à l'unisson. C'est l'autre, vous allez le faire ensemble. Bon salamon à Bomoko. Que chérie, tout bon bambongo, tout salaboy. Il faut le faire toujours ensemble. Il ne faut jamais vous diviser. Il ne faut jamais le bongaï chez vous à la maison. Hein? C'est moi qui ai fait. C'est moi dans cette maison. Si moi je ne fais rien, rien ne marche. Là, vous allez vous séparer. Là, vous allez créer une scission. Parce que l'autre va se sentir vraiment dénigré. Parce qu'il n'y a que vous qui faites. Il faut vous impliquer l'un l'autre. Lorsque vous vous impliquez, c'est là que vous réussirez. Parce que les efforts que vous allez conjuguer, ces efforts-là, vous allez les déployer tous deux. Il ne faut pas comptabiliser les faiblesses de votre partenaire. Parce que là où votre partenaire ne réussit pas, échoue, il y a à cause d'une histoire. Il ne faut jamais comptabiliser les faiblesses. Là où l'autre est faible, soutenez-vous. C'est là qu'il faut vous soutenir. Et ce qu'il y a au côté, il faut soutenir pour Akoka prochainement. De manière à ce que Bozala, malam, de manière à ce que Botamola et Longo. Parce que ça, nous avons placé les faibles. Mais place de soupe aux faibles, il y a pas ma casse côté nous. Parce que dans l'Ibala, si Dieu a fait que vous soyez à deux, c'est pour vous compléter. Et si il y a eu les alliés, il y a une soupe aux alliés, ça crée un feu. Dengue Bakoko Baloba. Nous sapimons que l'homéracinité. Ça n'est pas en deux que vous réussirez. Faites-le ensemble. Nous avons fait, nous avons dit. Et c'est là que vous allez vous aimer davantage. Et c'est dans le respect que vous le ferez. Respectez-vous mutuellement. Il faut vraiment vous respecter. Évitez des petites couacs bizarres et banales chez vous. Pourquoi? Parce que ça va créer l'animosité. Et ça va vous séparer vite. Les injures, par exemple. La bagarre chaque soir. Ça va vous amener quoi? Les injures là. Parce que personne n'a jamais gagné dans les injures. Personne. Alors personne n'a gagné. Vous vous séparez seulement en quête de poisson. Or maintenant là, c'est vraiment bizarre. Bizarre pourquoi? Parce que celui qui va gagner dans ces injures, ils allaient mouton à Yoki. Il y en a gagné parce que Bobimi si vous avez un abino pour les gens, il y a un coin à Ogarabino. Si vous avez un côté de la bille, il y a un côté de la bille, il y a un côté de la bille, il y a un côté de la bille. Histoire est pas naïve. Maintenant, on peut profiter. D'où il ne faut jamais le faire. Qu'on pèse l'occasion, on peut tout faire, l'occasion. Ne vous en faites pas. Parce que on peut finir l'eau. L'eau, on peut y aller. Parce que on peut marcher dans le bal. Colère est aussi là. On vend les sous-sous. On vend les sous-sous. On peut penser là, on peut ensemble. Maintenant, on peut finir la qui est là.
Parce que Eudi na bouche autorisée. Bouche autorisée, ça moi si na yo, yo bali na yo. Pour la nuit, moi si ne mouta le baki. Mou bali ne mouta le baki. Parce que ceux qui ont dans le bim, ils ont fait à Opé là. Moi, je vais vous dire, pour ma base à côté, mon papa d'un côté, mon côté. C'est que nous sommes des mots à le baki. Et vous devenez ridicule. Très ridicule. Et comme vous pouvez parler dans la balle, vous l'êtes qui toque. Sans raison. Il n'y a pas que les voisins. Vos enfants aussi vont pleurer parce que vous allez indigner toujours. Et les enfants là, ils deviennent hypocrites parce qu'ils savent qui a raison, qui a tort. Parce qu'ils ont peur de le dire. Pour la nuit, ils disent que papa va bien t'en aller, maman va bien t'en aller. Mais ils savent que nous sommes dans la maison papa, nous sommes dans la maison maman. Ils savent ça, mais ils ne le disent pas. C'est à vous d'éviter pour faire l'honneur à vos enfants. Parce que les enfants, ici comme sous. Lorsque vous les mettez mal à l'aise chez eux, vous allez aussi que vous paix ailleurs. Mais là, là où ils vont chercher la paix, c'est où? Ce qui est un peu la paix, c'est qu'il y a kimia. Pour papa et maman, vous êtes mal à l'aise. Si vous avez un kimia, vous êtes wap. Vous avez un peu la paix. Or, l'enfant peut-être a besoin de rester chez eux. Mais bon, ben, ni à cause il y a les latins disent ubi bene, ibi patria. Là où il y a la paix est ma patrie. Et maintenant, la paix, les enfants doivent être chez eux pour avoir cette paix. C'est ça leur patrie. Mais ce sont des rebelles déjà. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Il faut rester bien chez vous, hein? Désormais. Il faut bosser la paix, parce que c'est dans la causerie que les gens se découvrent. Il ne faut jamais rester sournois. Et ne jamais faire ce qu'on appelle l'ambivalence. L'ambivalence, c'est-à-dire, aux gens en position normale, dans le foyer, dans l'autre. Restez unis ensemble. C'est là qu'il va vous élever. Et c'est là qu'il va vous bénir. C'est là que vous serez heureux chez vous et vos enfants. Et les enfants diront un jour au nom des parents. C'est là que vous réussirez. Pourquoi? Parce que vous aurez de bons témoignages de vos enfants. Parce que dans la vie, il y a mes bali bakolobaka que ceux qui n'ont bali, moi si azaloko la maman langaï, n'a pas heureux dans le bala langaï. Il y a moi c'est pas l'objet, ceux qui n'ont pas les mobiles, ils ont la papa n'angaï, la cause à la heureuse dans les balles n'angaï. Voilà un bon témoignage. Alors que vos enfants les disent, c'est là que vous serez heureux, et c'est là que vous gagnerez, et c'est là que vous réussirez. Parce que vous serez les bons témoignages pour vos propres enfants, avec qui vous vivrez chaque jour matin et soir. Bangonde va témoignage dans le monde. Bangonde va bête à l'isolo. Ah, que papa n'angaï. Ah, maman, l'angaï.
parce qu'ils étaient heureux chez eux. Que Dieu vous bénisse. Mademoiselle Tati. Isaïe. Il est pénal. Au sentir qu'Isaïe, dès aussi bien, somme. C'est la cérémonie. Consentez-vous ce jour à prendre pour épouse Mademoiselle Tati Glorisette devant vous. Mademoiselle Tati Glorisette. Pour épouse, Monsieur Mabiala Papin devant vous. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je prends acte de votre consentement et je vous déclare mari et femme. Vous allez choisir l'anneau de votre épouse que vous allez présenter au public. Vous allez l'introduire à son âme. Une chanson, moi je ne sais pas, libre à vous. Mais du moins, soyez libre de parler à l'âme de votre choix. Non. C'est vrai que j'avais toujours l'habitude de te le dire en cachette, mais aujourd'hui tout le monde est là, mes parents sont là, et devant l'officier de l'état civil, le recette taxi. Je t'ai toujours aimé, tu le sais très bien. Je t'ai aimé de toutes mes forces, de tout mon cœur, de toutes mes pensées. Et aujourd'hui, devant les témoins, devant l'officier d'état civil, je te promets un amour perpétuel. C'est-à-dire, tant que je serai toujours vivant, je te le jure et te promets de t'aimer de toutes mes forces et de toute mon âme. Tu sais, les enfants d'Israël ont mis 40 ans pour arriver à la terre promise. Et moi aujourd'hui, malgré les tempêtes, je bénis le Seigneur parce qu'enfin, j'ai atterri. Tu es ma terre promise. Je t'aime et je t'aimerai pour la vie. Cette alliance non seulement pour te montrer mon amour, ma considération, mais pour simplement te dire que tu es l'os de mes os, la chair de ma chair. Je sais qu'il y a eu d'autres fois dans le passé, mais cette fois-ci c'est toi et moi, et c'est pour la vie. Vous avez exprimé le vrai amour. Mes oreilles ont bien entendu tout ce que vous avez dit. C'est vraiment du platonique. Et c'est là que mes yeux veulent aussi voir ce que vous avez dit. C'est là que je vais demander un peu à maman Tati. Et cette fois-ci, Tikena. Ma papou y a vieux âge. Un tiens mon vieux âge. Ma papou a vieux âge. C'est la boum. C'est quoi, yo? Qu'est-ce que tu as la boum? C'est quoi, yo? Papa m'a bien là. Monsieur Papin. Elle est fatiguée, le tata. Ça, quand on a eu.
Allô. Allô. Line in. C'est un signe de protection. C'est que vous la protégerez. Partout où vous serez. Dans toutes circonstances de la vie, elle est sous votre protection. Quelles que soient les intempéries, quelles que soient les secousses, les vents qui vont venir, c'est vous qui la protégerez. C'est ta maman Tati. Maman Tati, si aujourd'hui Papa Mabiala vous a placé à sa droite, lui n'attend de vous que la tendresse, l'amour et la soumission. Il faut observer ces choses pour qu'ils deviennent forts et puissants et pour qu'ils sachent bien les faire, que cette protection devienne vraiment une très bonne protection pour vous. C'est tout ce que lui attend de vous. C'est là que nous allons nous lever pour chanter le national qui va sanctionner la clôture de la cérémonie d'aujourd'hui. Avec les époux, avec les parents et avec les témoins. C'est là que je vais vous laisser festoyer et continuer votre.
Thank you.
Thank you.
et la famille, ce soir, on espère. Alors, s'il vous plaît, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Ah, vous êtes jalouse, hein? Vous êtes jalouse, hein? Elle est celle qui a conquis le cœur de Monsieur Papin. Elle est celle qui, et par laquelle les articles, les contes ont cessé d'exister au regard et au battement de son cœur. Je veux faire sa présentation tout à l'heure, j'ai eu le temps. Il est juriste de formation, ça c'est déjà quelque chose que je lance directement. Mais au regard de celle qui est dorénavant devenue son épouse, le droit, les codes, les lois n'ont plus d'existence devant la loi de l'amour. Alors s'il vous plaît, je vous prie, est-ce qu'on peut se tenir debout? Je vous prie, ne soyons pas jaloux, Si tu es en train de jalouser, c'est monsieur dorénavant, il est marié et il est sérieusement engagé. Aujourd'hui et pour la vie, pour le meilleur et pour le pire, pour le présent et pour l'éternité, ils sont dorénavant liés. Merci beaucoup. Je vous prie de réserver un triomphe pour Madame Morissette, dorénavant Madame. Nous allons demander à Papa Papin
de pouvoir se tenir debout. S'il vous plaît, papa, est-ce que vous pouvez vous tenir debout ce soir? Monsieur Papa Mabia Zuzi à Kinshasa un certain 9 mai d'une certaine année. Et selon les informations qui nous sont transmises par les protocoles, il est fils de Papa Mabiala Zuzi André. Alors les parents sont sacrés. Nous connaissons la valeur des pères. Nous connaissons le rôle qu'ils jouent dans la vie des femmes. Seigneur, tout d'honneur, nous voulons la vie et la mémoire de la personne qui a fait que cet homme, ce bel homme se tienne debout tel qu'il est en train de se tenir. Est-ce que André Mabiala est là ce soir? Est-ce que Papa André est là? Est-ce que Papa André est là? Il n'est pas encore là. Il n'est pas encore là. Alors, les parents sont sacrés. Nous tenons absolument à les honorer. S'il n'est pas encore là, ce n'est pas grave, ce n'est pas tard. L'honneur dû à un père ne se négocie pas. À tout moment qui viendra, nous aurons le temps de l'honorer. Il n'est pas seulement fils de Papa André Mabiala, mais il est aussi fils de maman Cécile Condé Mou. Est-ce que maman Cécile est là ce soir? Cécile, s'il vous plaît. Non, est-ce qu'on peut célébrer maman Cécile, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut célébrer maman Cécile, s'il vous plaît? Est-ce que la famille m'a bien la peut... Yes. Enfant, et lorsque vous l'avez mis au monde, vous avez fait tellement de sacrifices et tellement de choses que aujourd'hui, devant les 9 familles réunies, nous tenons à vous exprimer notre profonde gratitude pour vos conseils, pour vos fouets. Merci beaucoup, maman. Pendant que maman s'assoit, est-ce qu'on peut encore... Alors, Monsieur Papa a dans sa gibecière la fonction d'avocat. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est par la foi que je dis ces choses. D'où il en est sorti avec un diplôme en droit avec mention. Pour ne pas aller très loin, nous savons que le temps est précieux. De ce qu'on peut retenir de Monsieur Mabiala, s'il vous plaît, prenez place. Maman, on va faire d'abord. Moi, c'est la mine, hein.
26 avril d'une certaine année. Tati Bouy Mabiala dorénavant est fille de papa Tati Makoudou Samuel. Alors, puisque selon les informations qui nous sont transmises, papa Tati Makoudou Samuel n'est pas avec nous ce soir, mais il est valablement représenté. Alors, du haut de ce lieu, j'invite très respectueusement maman Mwendo Tati de pouvoir se tenir. Vous avez tellement fait, et au nom de toute la famille et de toutes les familles qui m'ont réuni, nous tenons aussi à vous remercier. Est-ce qu'on peut célébrer issue de papa Samuel Tati Makoudou, mais elle est aussi issue, s'il vous plaît, votre chère. Elle aurait bien voulu être ce jour et voir ce glorieux jour où sa fille bien-aimée sera en train de s'unir dans le lieu sacré du mariage, mais le Seigneur a décidé d'être autrement. J'étais en train de dire qu'elle est aussi fille de maman José Bintou Bouni Marie. Marie-José Bintou Bouni, qui n'est plus de ce monde. Alors, s'il vous plaît, j'aimerais qu'on accorde à la mémoire de cette grande dame pour ce travail de titan qu'elle a abattu sur la vie de cette fille. DJ, s'il vous plaît, j'aimerais qu'on diminue simplement la musique et qu'on observe quelques petites minutes de silence à l'honneur de votre maman. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Merci beaucoup, nous sommes très gentils. DJ, s'il vous plaît. Mais qu'à cela ne tienne, maman ainsi que la famille maternelle est valablement représentée. Alors, du haut de ce lieu, je m'en vais appeler papa Dieudonné Tioi, ici et là. Il peut se tenir debout. Merci. Merci beaucoup, papa Dieudonné. Que Dieu vous bénisse. Qui est plus belle que nous tous ce soir. Toujours, absolument, il faut le rappeler, qui est belle, une beauté pure, mais est aussi une tête pleine et bien faite. Elle a poursuivi ses études universitaires, post-humanitaires, à l'ISTEM, Institut supérieur de technique médicale. Elle n'est pas seulement belle de taille et de figure comme Rachel, comme le dit la Bible. Toujours. Faites la raconter, maman. Alors, maman Glorisette, présentement, elle est relais communautaire de la zone de santé de Kimabwa. C'est un couple intellectuel qui concilie beauté et intelligence. Alors, s'il vous plaît, j'aimerais qu'on réserve un triomphe à madame Glorisette, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut faire une bonne affaire? De nous offrir leur première danse. C'est très important. Ce sont des moments immortels. Demain, quand les enfants viendront, quand les occupations viendront avec le stress de Kinshasa, j'aimerais qu'ils profitent de ces moments d'abord maintenant et que ça reste inoubliable. S'il vous plaît, je sais que ce n'était pas prévu. Cachez toute la fête. Alors, madame Glorisette est jumelle, dont sa jumelle est le reflet et l'expression de la même beauté. Donc, si tu es célibataire, tu es en train de chercher la beauté de papa. Alors, maman Daniela, si elle... La jumelle, est-ce que tu peux embrasser ta jumelle? Oh là là!
Waouh! 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 Merci beaucoup. La jumelle, la merveilleuse dame, excusez-moi si on a des informations qui me sont parvenues, elle est encore célibataire. Donc, alors, s'il vous plaît, on va exhiber un pas de danse. Tu as une enveloppe, tu as un carnet, tu as un chèque pour offrir au couple pendant que le DJ est en train de nous préparer une très belle musique. Papa, sinon, on va dans la ligne. Azalio, Azalio, Azalio. Yes,
mariage. Alors, selon les dispositions du protocole, la table du buffet sera dressée et on va nous orienter selon les familles. Je ne sais pas quel est le protocole. En ce qui me concerne, je vous dis merci et que Dieu vous bénisse. DJ, musique. Je vois la marque de fer.
Yeah, no.
Et là, il continue.